Il y a des sorciers, vous voulez parler? Qui veut parler? Pour sa délivrance. Toi, Albert, va le voir, Albert. Il va envoyer Terek. Elle dit, Albert a mangé serré. Comment ton mec est là, puis tu dis à quelqu'un qui mange viande de l'homme, tu lui vends les reins. Il va pas manger. Albert, faut aller voir Albert, hein? Albert va venir. Tu avais quoi? Non, faut aller voir Albert. Tu veux parler? Tu veux parler parmi vous là derrière? Venez. C'est toi. Allez. Vous voulez parler de quoi? Mettez-vous là. Faut aller voir Albert. Je suis en train de te fatiguer un peu. Mais c'est pas toi, c'est toi qui allais vendre tes reins. Comment le rein qui vient, on s'assoit de contact, toi tu vends. Et le, oui, il a fait qu'on dit, il a dit il a mangé. On vous écoute. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anna. Tu es venu avec qui? Attends. Elle est où? Faut parler fort, hein. Il n'y a pas de micro. Toi, tu es qui? Comment t'appelles? Onédite. Tu es venu avec qui? Marie. Où elle est? Vous voulez parler de quoi? Je veux parler de ce que je fais de ma vie. Vous voulez parler de quoi? La sorcellerie. Alors, faut dire ça. Pourquoi tu as peur de ça? La sorcellerie. Hein? Mets-toi là. On t'écoute. Annette ta main, il parle comme... C'est la sorcellerie. Hein? C'est la sorcellerie. Oui, il parle. C'est la grand-mère qui m'a donné. Ma grand-mère m'a donné nourriture et manger. Et la nuit, elle est venue me chercher. Elle m'a envoyé dans les camps. Et là-bas, elle a donné, ils m'ont donné viande. Il a mangé. Et ils m'ont demandé quelque chose, il a donné mon intelligence et mon mariage. C'est là que je suis rentrée dedans. Il a fait du mal à ma grande soeur. Il a pris son enfant, il a livré son enfant. Mmh? Et mes grands frères aussi. Tu as fait quel enfant quoi? Mes grands frères. Oui, tes grands frères. Mmh. Ça veut dire quoi? Tu as fait quoi? Non, l'enfant de ma grande soeur. Mmh. Qui a donné. Donné où? À mes amis. Tes amis aussi. Mmh. Où est sa soeur? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'enfant? Ils ont tué l'enfant. Comme ça? Mmh, on a transféré à Cabri. Mmh. Ils ont tué. Mmh. Et puis quoi? Ils ont fait quoi? On a mangé. Alors, mais pourquoi tu dis pas ils ont tué puis mangé? Et tu te limites à tuer? On a tué et mangé. Comment elle s'est retrouvée ici? Il y a mon petit frère qui est à Abidjan, qui a prié avec un de nos fils, nos neveux. Et l'enfant, il a dit qu'il a la sorcellerie. C'est dans ça qu'il a cité son nom. Donc moi, je suis à Bandoukou. Et l'enfant est où? Et lui, il est déjà venu ici pour partir. Ah, d'accord. C'est là qu'il m'a fait appel et puis je suis venue l'accompagner. Elle? Oui. Elle t'a demandé de l'amener ici? Et c'est mon petit frère, mon fils là qui m'a dit, ah, oui. Tu dois être là. Ah, donc elle a accepté? Oui. Tu as accepté? Oui, oui. Ok, donc allons-y. Tu as tué combien de personnes? J'ai tué 10 personnes. 10 personnes, mets-toi là. Mm-hmm. Comment tu les tues? J'ai un couteau. Il est où? C'est où? Couteau là est où? Couteau est dans ma main. Main comment? Ah, il demande, faut me répondre. C'est dans ta main comment? Quand je vais tuer, je prends le couteau. Ouais, tu prends et tu enlèves ça où pour tuer? Je prends ça dans la maison. Quelle maison? Dans la maison où on travaille. Vous travaillez dans quelle maison? Au village. Mais toi tu es venu ici, pourquoi tu n'as pas envoyé le couteau? Tu
c'est toi qui as demandé, tu voulais venir ici. Tu voulais venir ici pour te faire délivrer. Oui, oui. Maintenant, ce que tu prends pour tuer là, pourquoi tu n'en prends, ouais? Je te demande pour parler. Pourquoi? Tu as gâté la vie de qui? Ton frère. Quelle grande soeur? C'est qu'elle a? Tu as gâté quoi et quoi dans sa vie? J'ai... Donc tu as dit que tu as vendu ton intelligence et ton mariage. Oui. Ça veut dire que tu ne peux pas te marier. Et tu vas rester chez des gens. Ils t'ont donné quoi en retour? Quand tu as vendu mariage et ton intelligence. Ils m'ont donné le pouvoir. Le pouvoir. C'est tout. Il n'y a pas l'argent dedans. Ils m'ont donné l'argent aussi. Vous faites quoi ça? Donc, on donne pour nous. L'argent là, c'est pour faire quoi? Vous faites garder. Hein? Faites garder. Et puis tu es pauvre comme ça. Tu as une voiture? Non. Tu as maison? Non. Mais c'est quel argent on ne prend pas pour acheter voiture, maison? Tu as gardé ça où? J'ai mis dans un chiffon pour garder. Et puis ça sert à quoi? Ça veut dire que tu peux construire maison. Hein? Réponds-moi. Oui, là-bas. Mais pourquoi ici? Non, pas d'ici. Ici, là, je n'ai pas rien. Hein? Ici, je n'ai rien. Mais c'est bête. Comment tu peux être bête jusqu'à ce point-là? Accepter que tu as une... Attends, c'est bête. Et tu as eu le pouvoir de faire quoi? Détruire les gens. Mm-hmm. Tu as détruit ta soeur, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie? J'ai gâté son enfant. Et son argent aussi. Il faut bien expliquer. J'ai gardé son argent. Gâté ou ingardé? Gâté son argent. Comment ça a gâté son argent? Non, tout ce qu'elle fait, ça ne peut pas marcher. Comment tu as fait? Ça est dans la famille. Ça est dans la famille. Non, il faut expliquer. Quand tu dis ce qu'elle fait, ça ne va plus marcher. Quelle est la chose que tu as fait pour que tout ce qu'elle touche ne marche pas? Je veux que tu m'expliques. J'ai ramassé son argent. J'ai ramassé. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer, il ne faut pas me mélanger la tête. Tu as ramassé comment? En sorcellerie. Mais justement, on sait que c'est sorcellerie. Nous, on veut comprendre comment tu as procédé pour prendre. C'est tout ce qu'on veut savoir. Je sors dans mon corps et j'ai un pouvoir et je me transforme en serpent aussi. Et je m'en vole aussi. Oui, ça c'est ce que tu fais. Mais elle, tu as pris son argent, pour ne pas que l'argent là. Tu as fait quoi? Et puis maintenant, quand elle touche quelque chose, ça ne marche pas. C'est ce que moi je veux savoir. Sinon, tu te transformes en serpent, c'est normal, tu es sorcier. Maintenant, elle que tu as gâtée, parce qu'on a l'affaire, tu as prié pour elle. C'est une de vos victimes. Maintenant, elle tout ce qu'elle touche, tu dis tu as pris. Comment tu t'es arrangé pour gâter ça? C'est dans notre monde là-bas. C'est... Mais justement, on n'est pas dans votre monde. Donc, il faut expliquer. Nous, on veut comprendre. C'est un pouvoir que la grand-mère m'a donné. Quand... Je sais. Oh là là là. Tu es quel est Dini? Je suis Agnès. Qui est Agnès ici? Agnès Baoulé, c'est même chose, non? Hein? Elle a dit, viens. On donne du français, tu comprends pas. Non, tu comprends pas. Bon, elle a parlé, elle dit qu'elle a gâté son argent. Comment elle a procédé pour gâter son argent? Parce que quand tu dis, j'ai cassé un verre, ça veut dire que tu as jeté, bah, où tu peux casser son mur? Mais elle, son argent, tu as gâté là. Comment tu as fait pour gâter ça? Parle fort. Tu as gagné d'Abidjan. Ton ami là, on n'est pas Abidjan. On n'est pas Abidjan. C'est quand Agni t'a coupé un coup dans la vie vite. Elle a compris. Non, elle a compris. Mon yo. Pourquoi mon yo?
Cap est plus jour. Oui, c'est significatif. Ça, c'est pas bien. C'est beau. Pense à ça. Elle a compris. Oui. Bon, elle t'a compris, vas-y. C'est l'argent qu'elle vient me donner souvent. Ah! Maintenant tu expliques, moi je vais comprendre. Maintenant tu es en train de me fatiguer. Vous avez qu'elle a pendant qu'elle a compris, non? Elle ne comprend pas mon français. Donc quand elle te donne l'argent, elle te donne l'argent. C'est-à-dire, elle t'a donné l'argent. Donc c'est comme ça vient d'elle. Qu'est-ce que tu fais à ça? Je prends pour aller là-bas. Et qu'est-ce que tu fais là-bas à ça? On garde là-bas. Pourquoi? C'est ça que je veux comprendre. Elle te donne l'argent. Tu dis, c'est quand elle me donne l'argent, c'est parce qu'elle m'a donné l'argent. Donc, elle t'a donné l'argent. C'est là que tu as gâté. Quand elle t'a donné l'argent, tu as gâté ça comment? Tu comprends pas encore? Mais il faut répondre alors. Non, elle va parler. Elle dit quoi? Ah, mais elle ne comprend pas français, viens. Elle ne comprend pas français, effectivement. Voilà, maintenant elle explique. Donc, on te donne ça, son argent, et toi tu vas le foutre dans le canari. Apaisse-toi, on va voir. Donc, quand tu mets dans le canari, qu'est-ce que tu dis? Elle dit ce qu'il prononce sur l'argent. Pour plus elle va gagner l'argent. Tout très bien. Moi, j'ai maintenant compris. Voilà, c'est maintenant compris. On a compris. Voilà, on a compris. Parce qu'il ne faut pas dire j'ai bloqué son argent comme ça. Il faut que tu nous expliques. Donc, elle te donne son argent. Et toi, c'est ça qu'avant de donner l'argent à quelqu'un, priez si ça. Hein? Priez si ça. Donc tu as mis ça dans les canaries pour que l'argent se gâte. Ça te donne quoi? De voir ta soeur en train de souffrir. Et après ça, tu as gâté quoi? C'est mes grands frères. Tu as gâté quoi chez tes grands frères? Vous voyez, sorcellerie est familiale. Hein? C'est-à-dire, la sorcellerie, là, c'est d'abord dans la famille. Elle ne va pas ailleurs. Hein? Elle commence d'abord dans la maison. Tu as gâté quoi dans la famille? J'ai gâté l'école de mes grands frères, mon grand frère. Bon, quand tu dis école, c'est comment tu as gâté? Il a pris ses papiers. C'est papier comment? C'est papier qu'il étudie dedans. J'ai mis dans le canari là-bas aussi. Et pourquoi? C'est pour gâter. Mais gâter pourquoi? Donc vous êtes là, vous gâtez son nom. Et tu as fait quoi encore? Et j'ai mis boisson sur mon frère. Hein? Mon grand frère. Il boit. Koutougou. C'est Koutougou? C'est pas bien. Elle s'est dit que c'est des boissons bizarres. Il boit Koutougou. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Tu as expliqué pour l'argent là. On a bien compris. Lui, il boit maintenant Koutougou. Tu fais comment? Moi, je bois aussi. Non. Il faut arrêter tes conneries là. Tu dis que tu as donné Koutougou à quelqu'un. On a l'eau là-bas. C'est l'eau là qui est comme la boisson. Lui, comment tu lui as donné l'esprit de boire, l'alcoolisme? C'est ça, il veut savoir. Comment il boit? Il boit, il est alcoolique. Il est alcoolique, il boit. Hein? Il est alcoolique, il boit. C'est-à-dire, il est sous là. Comment tu lui as donné l'esprit pour boire? Toi, tu bois, je m'en fous de ça. Il a mis ça dans sa tête. Hein? Et il boit. Voilà. Donc, tu t'as mis là, puis tu as mis ça dans sa tête. Il n'a pas le boire. Tu es méchant, hein? C'est pas bon boisson, c'est goût du goût. Vous donnez sirop de foie. Dans ton mère, tu bois aussi? Moi, je bois aussi. Toi, tes frères, tu bois. Alors, comme tu as vendu, à faire des mariages, là. J'ai un frère qui me contait une histoire. Il allait rendre visite à un ami pasteur. C'est des pasteurs. Donc, la maman du monsieur, du pasteur,
va les acquérir, ils ont préparé son grain, jumelé dedans avec placali. Oh la maman, quand elle finit, elle fait un crochet à côté et elle les vendait de Koudougou. La vieille boit un peu. Et puis elle vient. Elle est malade, elle est truc. Donc elle a reçu un invité. La vieille, elle est prendre sucre. La nuit, là, elle a versé dans son graine. Donc le gars, il attendait jusqu'à quand? Quelqu'un qui vient à 16h, le plat est prêt à 19h. Il veut manger, manger la sauce graine, vous voyez, avec les jumelés dedans, les polos, les crabes. Donc le pasteur, le contemple, la cali. Donc il prend une boule. Ça, on ne met pas la couchette. La boule. Quand il met, le pasteur crie. Il appelle son collègue pasteur. Son collègue pasteur est venu. Quand il a goûté, il a commencé à pleurer. On cherche la maman, elle est die, la vieille dort. Elle est saoulée. Boisson là, vous voyez ça, vous savez qu'on dit quelqu'un. Confondre sel et puis sucre. Sucre et sucré. Donc il est étonné, c'est qu'elle est sucré. C'est comme café baoulé, excusez-moi. Ce gars est sucré. Et placali. Donc, vous pouvez donner esprit de boisson aux gens. C'est pour ça que par moment, ils peuvent donner l'esprit de la prostitution. Donc, toi, tu ne veux pas te marier. Avec qui? Tu as vendu ça? Comme c'est vendu à Albert. Rien. C'est bien moulé comme ça. Le gars moyen c'est ce grain. Elle fout tout banane nuit. À part tes frères, à part elle, tu as gâté qui? Mes grands frères. Avec mais pourquoi tu gâtes tes parents? Pourquoi? Tu te transformes en quoi pour aller attaquer les gens? Je me transforme en serpent. Hein? À bœuf aussi. À bœuf, tu poursuis les gens la nuit. Comme bœuf. Ah, tu es venu? Ah, je suis prêt. Tu te transformes en bœuf. Oui. Et quand tu te transformes en bœuf, tu fais comment? Je cours derrière les gens. La nuit? Mm-hmm. Et il y a coup derrière les gens. Elle se transforme en bœuf. C'est la sorcellerie. The church enter a book to practice witchcraft. Elle se transforme en bœuf la nuit pour attaquer ses victimes. She attacks her victims. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Now, what do you want? Je veux quitter dedans. Tu veux quitter? I would like to leave. Et qu'est-ce qui la motive à être ici? What makes her coming here? En tout cas, je ne sais pas quand mon petit frère l'a interrogé, elle a reconnu. She recognized that et she is quand elle a reconnu, dit, la vie dans laquelle tu es là, tu veux quitter dedans? And elle she a asked répondu her qu'elle veut like quitter. Qu'elle veut quitter. And she said yes. Ok, lève tes mains. Tu as accepté Jésus. Said that you accept Jesus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, today, j'accepte, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Satan, tu renonces à tes œuvres. Je renonce à tes œuvres. À partir d'aujourd'hui, je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la sorcellerie. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi. Amen. Amen. Ça va? Qu'est-ce que tu pousses à faire ça? Quand tu vas faire la sorcellerie, qu'est-ce que tu fais? Why do you do that?
je me réveille. Non, pas quand tu te réveilles. Not when quand you tu vas faire, tu vois tes practice, parents et ça ne te fait pas peur. Tu as le courage de détruire tes soeurs et tes frères. Il y a quoi derrière ça? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Qu'est-ce qui te pousse? What makes you do that? Ça vient comme ça. Come, hey, feu, fire, allez. La puissance, the power. Come, allez feu, fire, feu, fire, allez. La puissance de Dieu, the power of God. Fire, fire. Come, I come in. Ici, pas ici. Là, là ici. La puissance de Dieu, the power of God. La puissance de Jésus. The power of Jesus. La puissance de Dieu. The power of God. Parce que c'est un esprit qui l'anime. Chase. Voilà. Il faut qu'on chasse l'esprit. So we need to chase that. Out. Hey. Out. It's a deep. Live a life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Je pars. To leave. Maintenant. Right now. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. You live your life right now. Esprit, spirit, de la sorcellerie, of witchcraft. Quitte sa vie. Live your life. Quitte sa vie. Live your life. Sort. Out. Sort. Out. Sort then. Out. Tu vas partir. And you leave. Voilà, sort. Yeah. Leave. Va-t'en. Out. Voilà, va-t'en. You go. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Come out. Sudden! Out of her. Quitte son corps. Leave your body. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Quitte son corps. Leave your body. Quitte son corps. Leave your body. Quitte son corps. Leave your body. Maintenant. Right now. Allez. Out. Esprit de la sorcellerie. Spirit of witchcraft. Voilà, out. Va. Out. Allez, va. Out. Va. Va. Out. Va. Out. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Quitte son corps. Leave your body. Maintenant. Right now. Quitte son corps. Leave your body. Maintenant. Right now. Voilà, va-t'en. Va. Out. Va. Out. Va. Out. Tu vas partir. You leave. Et la libérer. And release her. Tu vas partir et la libérer. You leave and release her. Tu vas la libérer. You release her. Voilà, va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va. Go. Au nom de Jésus. In Jesus' name. 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 Sort. Out. Sort d'elle. Out of her. Parce que si elle a parlé, if she speaks, qu'on ne chasse pas l'esprit, and we do not chase the devils, elle est encore sous le contrôle de la sorcellerie. Under the control of witchcraft. Voilà. Elle a parlé, elle a fait des aveux. Mais elle est animée par un esprit. La preuve, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est un esprit qui se manifeste au travers d'elle. Voilà, il faut que l'esprit sorte de son corps. Parce que le corps que nous voyons est une enveloppe. Ou c'est le Saint-Esprit, ou c'est le mauvais esprit. Bon, dans son cas, elle est animée d'un mauvais, un démon de la sorcellerie. C'est l'esprit là qui la pousse et qui fait que elle peut voir son frère. She could see her sister, a brother. Elle n'a pas ce sentiment là. She doesn't have that feeling. Elle n'a pas la pitié. She doesn't have pity. Voilà. Donc, et tant que le démon ne quitte pas ce corps, if the spirit, the devil, elle demeure sorcière. She can be under the control. C'est cela qu'elle est possédée. On dit qu'elle est possédée. Elle est sous le contrôle d'un démon. Tu vois, vous voyez, pendant que je priais tout à l'heure, elle est tombée. Et l'esprit en train de se manifester. Voilà. Il faut que l'esprit quitte son corps. Sort d'elle. Sort. Out. Va. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Sort d'elle. Out of her. Au nom de Jésus. Va-t'en. Tu pars maintenant. You leave right now. Tu pars maintenant. You leave right now. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Sort d'elle. Out of her. Voilà, sort d'elle. Quitte. Leave son corps. Everybody. Quitte son corps. Leave everybody. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release.
In Jesus' name. Je proclame. I claim la délivrance. Your deliverance ce soir. Tonight. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. L'esprit quitte. The spirit is free. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. L'esprit libère. The spirit brings. Hereby. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Afin que le Saint-Esprit puisse prendre son temps. All the spirit is God's friend. Your life. Comment elle s'appelle? Her name? Emilienne. Emilienne? Emilienne. Lève-toi. You are free in Jesus' name. Ça va? Qu'est-ce que tu as ressenti? What did you feel? Tu as senti quelque chose sortir de toi? Ok, tu as libéré. Something came out. Elle est venue avec qui elle? Where did she come with? Vous venez d'où? Where do you come from? Ah ouais. Vous êtes là pourquoi? Why are you here? Oui, qu'est-ce que vous avez constaté? What did you notice? En 2016, elle devait composer. Au bac. Elle pleure. Elle devrait composer au bac. Elle s'est couchée dans son sommeil à 2h du matin. Non, laisse-la. Viens avec elle ici. Tu as trop mangé quand tu as grossi. Ça va? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Les parents sont libérés maintenant. Tu es content. Hein? So you're happy. Et Dieu est content parce qu'elle se sent délivrée. Donc elle sait que ses parents seront libérés. In 2016, elle devait composer au bac. She was a candidate for bac. Mais là, dans son sommeil, when she was sleeping, dans la même semaine, in the same week, où elle dormait à 2h du matin, she was sleeping up to a.m. Il y avait une petite fouille noire qui sortait de son small visage. Small came out from her face. Visage. Elle a même réveillé sa petite soeur qui est là. She made her sister wake donc, up. Les deux ont eu peur. Elle n'a plus de. And they were afraid. Jusqu'au le lendemain. She didn't sleep. Elle s'est réveillée de son sommeil et je t'ai réveillée. Elle m'a expliqué. And she explained me. J'ai appelé mon papa. Il I a passé. Called my father. Je l'ai expliqué. In Bassam, I explained him. Il a dit ah, oh, c'est comme ça. And he said, fais-la venir. Make her come here. J'ai expliqué ça à leur papa. Lui a même donné le transport. Elle I a gave partie. Her a transport to go. Il a son ami qui a des voodoos. And then one of his friends practices voodoo. They went to see his friend. Le monsieur allait consulter. Went to quand il a consulté, concert. Il a dit bon, il doit faire sacrifice avec un. To make a sacrifice. Son grand-père l'a laissé là avec le monsieur. And she was living with. Il a dit sans faire ses couches. A brother. Il a tué le poulet. He killed the chicken. Il a enlevé foie du poulet. Came out. Il a mélangé ça dans un médicament frais. Mixed it up with medicine. Tiens, aval. Bon, expliquer le fétichisme. Just explaining fétichisme. Il y a les détails, je n'aime pas entendre. I don't like this kind of details. Je vais aller dans l'aspect de vodou. Qu'est-ce que what? Les détails, je n'ai pas besoin. I don't need the details. Quand il a avalé et puis elle a avalé foie de poulet là. C'est là il a broyé des feuilles dans l'eau. Pour some leaves. Qu'est-ce que vous voulez me dire en m'expliquant? What do you bon, mean? C'est ce qu'elle m'a expliqué hier que c'est depuis ce temps elle voit. Until that period. Et elle s'est retrouvée que c'était le cœur de son grand-père qu'elle avait mangé. And she depuis noticed ce temps, that it was elle her grandfather's heart. Tantôt je l'ai elle est malade. Et puis she elle dit elle voit. And she could see. Le monsieur abusait d'elle pendant ce temps où elle était vierge. Le she monsieur virgin, même l'a même attrapé son parti au bord him. De la lagune. Il a parlé sur des œufs. And it stuck et il a donné eggs. Aussi, elle a parlé sur les yeux, il a jeté ça dans la lagune. C'est in hier basket. Ma fille a eu le courage de m'expliquer and cela. Yesterday voilà she explained me
The reason why she could see now, I didn't know. We're speaking about witchcraft. La voyance, c'est différent de la sorcellerie. The fact of seeing different. Moi, je vois. Je suis pas sorcier. Moi, je vois. I can see, but I'm not a sorcerer. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle va parler de la sorcellerie. She was about oui, to talk about parler de voyance. Il y a une nuance là. Voilà. Bon, d'ailleurs, c'est pas vous je vais interroger. It's not you. C'est elle je vais écouter. Question. Tu es ici pour quoi? Going to listen to you. Why are you here? Pour recevoir ma délivrance. Très bien. Il y a quoi et puis tu veux recevoir ta délivrance? What do you have? Ça a commencé depuis 2012. Since 2012. Où mon grand-père m'a envoyé consulter. Where my son ami. Son ami. Son ami. Son ami. Maintenant je suis partie. Il m'a fait laver. Dans mais il y a eu quoi d'abord pour qu'on t'envoie là-bas? Parce que je faisais trop d'échecs. Il y a trop d'échecs, trop because de blocages dans ma vie. So many failures in my life. Lorsque j'allais le consulter, il m'a dit que ton nom déjà, mon prénom, Amnon, la personne qui portait le nom, the la personne who had that name, une chose, pratiquait un truc de la sorcellerie. Le nom même n'est pas bon. And the name c'est ce nom-là ils ont mis sur moi. Ce qui veut dire l'esprit me suit toujours. But to say that the spirit donc, is still following you. J'ai décidé d'aller mettre fin à ce blocage-là. I decided to stop that feeling. Mon grand-père m'a dit, comme il y a trop de blocages dans ta vie, allons chez ce dernier-là. Il pourra mettre quelque chose. That pour mom arranger could do something, c'est là que je suis partie. And I went. Maintenant, il a lavé mon visage. Il m'a fait to laver dans un truc mortier. Il a lavé mon visage. Il m'a fist. Dit ah, que personne ne pourra me faire du mal encore. Qu'il ouvre mes yeux maintenant pour voir mes ennemis. To see my enemies. Maintenant, c'est après ça. And after that, il m'a fait des médicaments, il m'a donné. Made some medicine, c'est dans so ça, quelques temps après, je me suis couché. À quelques temps des années, mon œil a commencé à me faire mal. J'ai commencé à voir très mal. J'ai pris de l'huile sainte, j'ai renversé dans le lit. Tu as pris avec qui? C'est qui? Pour que tu aies quitté chez un monsieur bizarre. Où t'as l'huile sainte? Where did you take the anointed oil? Chez nous à la maison, mes parents. Où tu as eu la sorcellerie? Where did you get witchcraft? C'est chez le monsieur. Ok. Et quand tu as eu la sorcellerie, c'est-à-dire le gars qui pratique le vaudou. The man practicing tu es allé là-bas pour te faire soigner, soi-disant soigner, délivrer, et lui t'a donné la sorcellerie. Vous avez bien saisi, hein? Ok. Maintenant, quand il t'a donné la sorcellerie, qu'est-ce when que tu as exercé comme sorcellerie? What tu did as fait you? Quoi? Moi, après cela, quand je suis revenu à la maison, j'ai commencé à avoir des serpents dans mes rêves. Non, tu as fait quoi comme sorcellerie? C'est what ce que you, je veux qu'on explique. C'est pas ce que tu vois dans les rêves. Moi, it's je vais maintenant la pratique. Je veux qu'on parle maintenant de la pratique. Qu'est-ce que practice. Tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? What did parce que tu dis tout à l'heure, tu es venu te faire délivrer de l'esprit de la sorcellerie. You're here to be delivered from witchcraft. Je suis allé au village avec ma petite soeur et sa camarade. In the village with my mais ils m'ont donné sister. Un couteau. Qu'est-ce que tu as fait? What c'est ce que, did c'est ce que, you do? Pas ce que tu n'as pas fait. Not what you didn't do. Pas ce que tu n'as pas fait. Not what ce you que didn't tu do. As fait. What c'est ce qui m'intéresse. Did. What did you do? Ici, on ne force personne. Hein? Je t'ai entendu sur ça et demander pourquoi tu es ici. Tu as même dit, why je suis venu here? Me faire délivrer. Dans la délivrance, ça se désire. To be tu sais pourquoi tu es là. You know why here? Et tu as vu bien que j'ai posé la question à l'une de tes collègues sorcières, ex-sorcières. Je vais la délivrer tout à l'heure. Elle a parlé. Colleagues. Donc, non, on attend que tu parles. So pas parce que ce que tu n'as pas fait, ce que tu as fait. Mais about what you do. Ce qu'elle pratique comme sorcellerie. Donc, tu veux que je dise pratiquer. Ok, donc pratiquer la sorcellerie. J'ai fait des avortements. C'est des sorcelleries. C'est qu'on va mettre tout le monde, on va envoyer tout le monde ici. Avec sorcellerie. Tu as fait quelle sorcellerie? Made a version. What kind of witchcraft did you practice? J'ai donné le cœur de mon grand-père. I gave the heart of my grandfather. J'ai donné le cœur de mon grand-père au vaudou. Attends, j'ai l'impression que toi-même tu es là. I had the impression mais tu hésites pour parler. That you are hesitating to talk. J'ai dit j'ai donné le cœur de mon grand-père. Mais c'est mon ça grand-père que je... qui m'avait envoyé là-bas, c'est son cœur que j'ai livré. Pourquoi tu parles d'avortement? The heart. Avortement, il y a quoi dans ce sujet? Maintenant, le monsieur, lorsque le monsieur a couché avec moi, non. Je couche comment avec t'as donné le cœur de ton père, de ton grand-père? Je me suis associé avec le monsieur. Comment? Voilà. I did it together with the man, but how? En lui donnant. By giving him. Mais comment? Du coup,
tu t'associes avec un monsieur de vaudou. Parce qu'il m'a demandé. Lui-même t'a demandé. Il a dit de lui envoyer quelque chose en retour. To bring something. Le monsieur, le gars de vaudou. Il m'a dit d'envoyer quelque chose en retour. Quelle chose? What thing? Pour payer une dette. Quelle dette? To pay debt. La dette que j'avais pris auprès de lui. Et quelle, tu as pris quelle dette? What kind le of succès. Debt? Success. Ah, il a te donné le succès. So he wanted to give you. Maintenant, success. Toi, tu n'étais pas sorcier. Pourquoi du you coup, tu t'associes à lui? You know, donc, elle lui t'a demandé quoi en retour? What did he ask in turn? C'est lequel qu'il a demandé. C'est lui qui te demande ça ou c'est toi qui as donné? Il m'a dit de donner une partie. C'est lui qui a demandé ou c'est toi qui as donné? C'est moi qui ai demandé. What did the one who asked? Ah, donc, tu es devenu sorcier du coup. So you became a witch. Oui. Il faut que tu rentres dans les détails. Comment tu te retrouves dans la sorcellerie et du coup tu t'associes avec un sorcier pour donner le cœur. Allez vous asseoir. Il m'a fait bouger une lame. Allez vous asseoir. Ici, c'est moi qui ai fait la délivrance. Va t'asseoir. Il m'a fait manger une lame. Oh, tu es très bien. Il t'a fait manger une lame. La lame là? Oui, la vraie lame. Lame en concombre. C'est une blé. Et tu as mangé ça? Oui. Et tu as bien mangé? J'ai avalé. J'ai avalé. Sans que ça ne te blesse. Without being hurt. Et cela te donne une sorcière. And you became a witch. Ok. Allons-y. Il a déchiré. Non. Oui, il a déchiré. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré des parties. He covered some parts with the blade. Il a mis des médicaments là-dessus. And he put some medicines. Maintenant, il m'a donné. And he gave me. Une partie de poulet frais. Part of the fried chicken. Poulet boudou là. J'ai bientôt un programme. Very soon, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Program with vaudou in Benin. J'ai vu sur internet. I saw on internet. Il y a un faux type vaudou. A man practicing vaudou. Les gens qui cherchent. C'est ça que je dis. That's why I'm saying. Vous cherchez, on dit, ils sont en train d'enlever les enfants. Ils sont en train d'enlever les enfants. Mais interdisez le maraboutage en Côte d'Ivoire. Interdisez le fétichisme en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qui demandent les organes. C'est toi qui demandes le sang humain. They are looking for blood, human blood. Une fois c'est interdit, c'est fini. This must be forbidden. Quelqu'un qui vient dire que les féticheurs mettent-le en prison. They are put him in jail. Depuis quand fétiche va apporter quelque chose aux gens? Since when fetishes can bring something to people? Un jeune homme à Cotonou, j'ai vu ça sur Facebook. I saw it. Pour avoir de l'argent, Facebook. Il a livré toutes deux des amis avec un féticheur vaudou qui a égorgé ses deux camarades pour que le petit ait l'argent. To make money. Et c'est tout ce qui est vaudou. Il y a des crimes rituels derrière. They have some ritual crimes. Oui. Il m'a donné une partie du poulet. And he gave me a part of the chicken. Il a mis ça dans un produit. Il m'a dit d'avaler ça frais. Et puis j'ai avalé. Voilà, le sacrifice du poulet, ils ont fait, j'ai refusé de manger. So mais mon grand-père a mangé. The sacrifice of the chicken. Comment t'as donné le cœur de ton grand-père? C'est ça qui m'intéresse. Heart. Tu dois t'associer. Just come to say that you've been associated with the voodoo man. Il m'a demandé quelque chose en retour. Non, on a déjà compris. Something. Maintenant, comment tu as pu donner le cœur de ton grand-père? How did you give your grandfather's heart? C'est ce que j'ai mangé. It is what I ate. Que j'ai donné au monsieur. Non, tu as dit le cœur de ton grand-père. Tu as bien précisé. Tu savais bien que tu donnais un cœur. Et le cœur que tu donnais, c'était pour ton grand-père. Explique-nous. Tu as pris ça où? J'ai pris ça mystiquement. Voilà, donc c'est ça. Mais voilà. Mystiquement, comment? Mystiquement. C'était où tu as pris? Where was it? J'ai rampé, je suis allée à Bassam. Ma fille, madame, asseyez-vous, ne soyez pas troublée, asseyez-vous. Aïe. J'ai rampé. Non, n'attendez plus pire que ça. Vous attendez petit cœur, vous tremblez. J'ai rampé, je me suis rendue à Bassam. Tu as rampé. Bassam. Tu as voyagé, il faut arrêter tes coloris. Sois-y, rampe. Je me suis transformée en serpent. Oui. Changing the snake. Serpent volant. Non. Toi, tu as rampé. Oui. Combien de minutes? How many minutes? Je veux savoir. I'd like to know. Va me perdre de temps. Don't waste my time. Ah, je veux savoir. Pourquoi tu t'envoles pas et toi tu rampes? Why don't you fly and then you crawl? Tu gagneras en temps en t'envolant. Pourquoi toi cette fois-ci tu rampes? But why do you crawl?
Moi, mes questions là, c'est bizarre. Et je veux comprendre, moi, je veux comprendre aussi. On s'envoie dans ces rapides. Flying is more rapid. Tu reviens. And then you come back. Tu es revenu. Mais pourquoi toi tu rampes? Why do you travel? Combien de minutes tu as fait? How many minutes? Tu me déplaces. Hmm? Tu me déplaces. Et ça ne dure pas une seconde, deux secondes, je veux savoir. One or two seconds. Tu ne mets pas du temps. Donc tu te transformes en serpent cette fois-ci. So you change the allez, prends le cœur. To go and take je suis monté sur son lit. Ouais. Oh, ok. Maintenant tu expliques. C'est tout ce que je veux entendre. Oui. Je suis monté sur son lit. Mm-hmm. J'ai pénétré au fond de son cœur. Ok, dans sa poitrine. Et tu as pris le cœur. Il a donné ça à ses vaudous. Ah, donc tu as d'aller prendre le cœur et tu as donné le vaudou. C'était pourquoi? Tu payes une dette. Le gars qui dit qu'il va t'aider pour aller faire le succès, c'est son cœur que tu prends. Est-ce que vous avez compris un peu? You understand, really? Lui, il prend, il fait confiance à son vaudou. Or, la petite est devenue sorcière et c'est le cœur que le monsieur qui l'envoie chez le vaudou. C'est bien pour lui. C'est très bien pour lui. C'est très bien. Mais comme il a fait de mort dedans, bon, on ne peut pas ça trop bien, on va les délivrer. Comment tu peux envoyer quelqu'un à chez vaudou? Et l'église? What about the church? Mais pourquoi il n'a pas envoyé à l'église? Why didn't you bring him to church? Et donc tu as donné le cœur. So he gave you the heart. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? What happened? Il a mis des maladies. Il a mis une maladie dans le pied de mon grand-père. Ça va le commencer du bas. Sickness. Et puis ça va perforer son cœur. My grandfather. Donc il est vendu comme un sacrifice. So he was sold as sacrifice. Et tu as fait quel dégât? Parce que là, tu es confirmé, tu es sorcier. C'est confirmé là, tu es sorcier. Donc tu as fait quoi et quoi et quoi? What did you do? Pourquoi tu hésites? Why, la personne que tu hésites, tu mets du temps pour parler. Hein? On ne peut pas te mettre une pression. Si tu n'as pas envie de parler, tu vas t'asseoir. Mais justement, libère-toi. Tu te retournes dans un machin, on a besoin d'entendre des choses. Plus tu parles, plus ça brise impact. Ils ont fait une alliance avec toi en te donnant de l'âme à manger. Ils ont fait des rituels, c'est des pactes. Plus tu parles, ça brise. Tous ces pactes, les alliances que tu as tissées avec les vaudous. Qui veut parler parmi vous? Ceux qui veulent parler, mettez-vous là. C'est pas ceux qui vont venir dire non. Ceux qui veulent parler, mettez-vous là. Ceux qui veulent parler. Those who like to talk. Va chercher Albert. Va chercher Albert. Va t'asseoir là-bas. Faut aller chez Albert. Ah où est là? Ah où? Ça va? Ah tu vas? Et papa où est? Hein? Et là-bas, il n'a pas frappé. Il t'a insulté quand même. Mais il t'a insulté, il a tiré au rail. Il a tiré. T'en as comme ça. Il a compris mon conseil. Les enfants sont sincères. Si tu l'avais frappé, elle avait métier. Hein? Les vrais amis sont les enfants. Prenez-les comme amis. Ils sont sincères en amitié. Mais tu n'as pas encore parlé. Ton argent là, t'as mis ça où? L'argent de papa. Où on met poubelle? Eh, j'étais dans l'ordi. C'est fini. Ton argent est dans l'ordi. On va te délivrer, amen. Dans l'ordi. T'as jeté la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il me frappe. Ah, il te frappe. Monsieur, mon fils, tu l'as vu, tu l'as moins pauvre. Tu la vois petite, mais elle est dangereuse. Ton argent là, je suis dans la poubelle. Ça va? Bon, tu as jeté dans la poubelle là. Il va prendre quoi pour faire beaucoup d'auto? Garde, baigner là. Il va prendre quoi pour te donner manger? C'est pour le punir. Hein? Mais tu as jeté l'argent. Hein?
va chercher la Il va gagner où? C'est bien dans la poubelle. Il va gagner ça où? Tu es sorcier? Hein? Oui. Tu es la sorcellerie? Oui, je suis sorcier. Tu es sorcier? Oui. Tu veux quoi? Je vais être délivré. Tu vas être délivré. Tu ne veux plus manger? Oui. Jésus n'a qu'à être délivré. C'est un rapide sur Dieu t'amuse. Toi, tu l'as frappé là. Elle va te délivrer. Tu la vois petit corps, oh, témoin. Viens ici. Tous les enfants sont infectés. Ils ont tout ça maintenant. Moi, j'imagine les maîtres, les instituteurs dans les écoles. Hein? Instituteur qui est dans le village. Un petit Zadi possédé. Tu l'as chicoté. La nuit. Moi, tu retournes la nuit, tu moins. Le maître va demander affectation. Et il sera toujours à l'hôpital. Un enfant, les instituteurs qui sont dans les villages. Et t'as pas frappé. Parce que le petit, il parle bêté, il parle agni, difficilement, il est têtu, voyou. Parce que c'est un sorcier, c'est un voyou. Il va vouloir le taper. Aïe, 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 aïe. Oui. Comme des gars, j'ai bloqué toutes les finances de mon papa. Elle a bloqué la finance, ton papa, ça veut dire, il faut bien expliquer. J'ai fait en sorte que tout ce que mon papa a comme projet, il a acheté des terrains pour pas savoir aboutir. Voilà, maintenant comment tu as fait? Les terrains sont là, il a acheté les terrains, c'est bloqué. Comment tu as fait? J'ai pris les papiers, il a envoyé chez ce dernier là. Il a travaillé sur les papiers là. Ah, donc ça veut dire que au travail de à part toi, il a le contrôle sur tout. Il a mis des caméras à la maison là-bas. Il surveille tout, tout ce qui se passe à la maison. Il a fait quoi encore? Tu as fait quoi encore? Tout ce qu'il a fait comme toi. Toi, tu es une dangereuse sorcière. Tu viens d'où? Where do you come from? Toi, tu es très dangereuse. La petite, là, il a vu tout ça, c'est clin d'œil, tu viens. Tu es très dangereuse. Tu es sorcière? Are you rich? Tu m'as regardé là, tu as fait quand tu chutes. Did you do? Fait quoi? Arrête tes conneries. Tu as fait quoi tout de suite? What did you do? Pendant qu'il parlait avec elle, tu as fait quoi? While I was talking with her. Hein? Tu voulais me lancer des flèches? C'est ça? Je te demande. Asking you. Faut parler. Hein? Elle est venue avec qui? What did she come with? Et donc, tu as dit, toi, tu me moins. Ok. Toi, tu viens me biper. Mon réseau là, ça prend pas. Ça va un peu. Ça va un peu. Envoyé ça, il a donné ça au vaudou. Il n'est pas que ses projets de terrain aboutissent. Ouais, tu dis quoi? Comment tu sors avec les gens pour faire quoi? Je sors avec ces personnes là. Quelles personnes? Ces hommes. Je couche avec les hommes. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais quand tu couches avec les gens? Je sais mon sexe. Hein? Faut pas rentrer trop dedans. Faut pas les détails, faut pas trop rentrer. Je fais en sorte que cette personne ne m'oublie pas. Qu'est-ce que tu prends en cette personne? Juste pour détruire le foyer de la personne. C'est-à-dire, si la personne est mariée, et toi tu détruis son foyer. C'est ça? Et donc, tu as cette facilité, la capacité de pouvoir séduire quelqu'un rapidement. Ok, je saute. Ça va? Oui. Tu as quel âge, s'il te plaît, c'est pas trop. How old are you? 21 ans. 21 years old. Et à part détruire les gens au travers, tu as fait quoi d'autre? What else did you do? C'est tout. Non, moi, je crois pas. I don't believe. Je crois pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses que tu n'as pas envie de dire. Va t'asseoir. Viens. Viens ici. Toi, t'envoies la délivrance et c'est le prophète. Tu veux. Just here to be delivered and. Qu'est-ce que tu as? What do you have?
Ça vous fatigue, non? Vous êtes assis. Allez vous asseoir si ça vous fatigue. Hein? Mais allez-y, il faut parler. Tu es fâché? Oui, mais pourquoi du coup, comment c'est passé que tu as été dévoilé, que ça t'énerve? Mets-toi ici. Oui, on t'écoute. Qui t'a donné? J'ai appelé ma grand-mère. T'as appelé ta grand-mère? Ça veut dire quoi? La petite soeur à ma grand-mère, c'est elle qui m'a donné manger et manger, puis c'est devenu sorcier. Hmm? C'est elle qui m'a donné manger et manger, puis c'est devenu sorcier. Et qu'est-ce que tu as fait? Quand il s'est allé là-bas, elle m'a donné riz et puis sauce grenée, poisson et manger. Quand elle a mangé, elle est venue me chercher la nuit, on est allé là-bas. Et puis ils m'ont dit bienvenue, ils m'ont donné viande et puis sang et manger. Non, après quelques temps, ils m'ont dit que de donner ma maman. Il a livré ma maman. On a lancé une maladie incurable sur ma maman. On ne sait pas ce qu'est maladie. Jusqu'à à l'hôpital, elle a souffert jusqu'à. Elle est décédée. Et qui a lancé? C'est moi. Tu as donné ta maman. Mm-hmm. Pour la tuer. Mm-hmm. Comment tu l'as tué? On a pris flèche pour la poignarder à l'hôpital. Mm-hmm. Maintenant, et puis tu l'as transformé en quoi pour la manger? On a transformé en cabri. Mm-hmm. Maintenant on tuait les gens dehors. On partait sur les tables de marché pour aller envoûter le marché pour que tout ce qu'ils vont mettre au marché soit envoûté. Ah très bien. T'as dit, toi, vos sorcelles, votre confrérie, on t'envoie et sur les tables de marché. Mm-hmm. Par exemple, c'est où? Les marchés des villes, mais dans la ville à Dabou, à Abidjan. À Dabou. À Abidjan, on s'en va. La nuit, c'est en quel moment? La nuit, quand on s'en va à minuit, on finit de faire nos conflits, nos réunions. Le patron nous donne les instructions. Les instructions. Et puis on s'en va. Vous partez dans les marchés et vous gâtez les tables. Et quand les femmes viennent exposer leurs marchandises, ça ne marche pas. C'est ça? Ok. Et puis. On s'en va dans les hôpitaux pour tuer les femmes aussi. Ah, les femmes enceintes. Mm. Les hôpitaux pour tuer les femmes enceintes. Mm. Ça se passe comment? On s'en va là-bas maintenant. Les bébés, on lance flèche dans les ventes et puis les bébés meurent. Maintenant, les femmes, même elles n'arrivent pas à s'en sortir, elles meurent aussi. Ah, donc ces flèches-là, tu voulais me lancer tout de suite? C'est ça? Hein? Je ne vous ai pas dit qu'elle est dangereuse. Hein? Je suis d'ailleurs, je vous ai dit qu'elle est très dangereuse parce qu'il a vu son mouvement là, tout ça là. Sorry. Tu es courageuse, hein? Maintenant, quand ils m'ont dit de donner ma tontine, tu es ma tontine en France. Ok. Donc, tu as tué ta maman. Ta maman était où? Elle était à Abidjan. Abidjan ici. Mm-hmm. Tu l'as tué. Mm-hmm. Et puis, tu as tué qui? Elle a tué ma tante. La vieille là, c'est une sorcière, celle qui vient qui est juste derrière. La vieille qui est assise derrière là, elle est sorcière, elle est diable. Bla, allez. Voici ton nouveau quartier là-bas. Corps transé. Pas le baoulé maintenant. Voilà. Très bien. Très bien. Oui, allons-y. Donc tu as tué sous le détecteur en marche. Parce qu'on ne sait jamais où il peut prendre un coup. Donc je commence maintenant à regarder. Il y a des bips par ici. Si ça revient encore les bips, j'ai attaqué. Ah oui, allons-y. Let's go. Maintenant, tu as tué ta tante. Ok. Tu as tué qui encore? Who else? C'est les deux personnes qui ont tué dans ma famille. Non, non, non. Ta maman d'abord. Mm-hmm. Et puis après, tu as tué qui? Ma tante. Ta tante. Elle est où, ta tante? Elle était en France, puisqu'elle est morte, c'est ça? Comment tu l'as tué en France? On a pris l'avion. Et puis on est allé. Tu as avion ou bien c'est Air France, Corsair? Tu as pris quoi? On a pris avion, on est allé. Quand tu dis tu as pris avion, tu es allé prendre Air France, tu es allé prendre Corsair, Bruxelles Airlines. C'est notre avion. Votre avion? Non, on est allé. Faut expliquer. L'avion là c'est comment? C'est grand comme ça. Tout comme ça.
Non, je ne t'ai pas envoyé. C'est tu es quel ethnie? Tu es quel ethnie? Ah, faut aller doucement. À Congé ou à Congé? Maintenant, on est allé derrière pour prendre son âme. Tu es parti dans l'avion en France. Ok. Tu n'as pas demandé visa. On t'a pas donné. Tu as passeport et visa. Ok. Tu es parti en France. Et mais comment tu as su chez elle? C'est par vidéo. Appelle vidéo. Ma grand-mère entendait appeler avec. Elle. On appelle ça GPS. On a vu, sa maison. Tu as vu et puis tu as localisé la maison. Maintenant, on est allé, on a pris son âme, on est venu, on a transformé en mouton. Attends, faut que tu m'expliques un peu. Mm-hmm. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Tu veux tuer quelqu'un en France. Ok? Vous avez votre avion, n'est-ce pas? Ok? Vous rentrez dans l'avion. Okay? Maintenant, comment tu sais, comment tu as localisé? Il y avait un appareil. Donc, la sorcellerie, elle est, vous voyez, c'est aussi. Il y a aussi, si vous voulez, c'est comme aussi la science, mais occulte. Hein? Vous avez un GPS, n'est-ce pas? Mm. Et puis tu as regardé, vous avez regardé, et vous avez su où elle habitait. Ok. Donc c'est à partir de là que vous avez accès à sa maison. Ok. Et donc quand vous êtes descendu, quand tu es descendu, qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu, on est allé, on est rentré dans la porte et par le mur. Par le mur. Et puis on est allé, on a pris son âme. Et puis on est revenu. Ok. Quand tu dis faut dire, j'ai pris ou on a. J'ai pris son âme. Ok. Et puis on est revenu. Donc chez vous, on ne peut pas. On est. Tu peux rentrer au travers des murs. Passer par un mur. Ok. Donc tu es passé par un mur, au travers d'un mur, pour aller prendre son âme. Ok. Faut bien expliquer. Je suis revenu, mais on est revenu. On était beaucoup, ils étaient devant la porte. Mais qui était chargé de mission? C'était moi. C'est toi qui étais chargé. Mm. Mais maintenant, moi, je parle de toi. C'est à toi que j'ai affaire. Je n'ai pas affaire à ceux qui t'ont accompagné. Je suis revenu, on a transformé un mouton. On lui a lancé une maladie de cœur. Okay. Elle était à l'hôpital. Derrière elle, quand on est reparti, on a tué son âme. Ah, donc vous l'avez donné, puis mais là vous l'avez. Mais vous êtes reparti encore à l'hôpital pour l'achever. Ok. Et puis elle est morte. Quand elle est morte, là, ma grand-mère pleurait. Ma grand-mère pleurait. Ta grand-mère t'a donné la sorcellerie là? Non, sa petite soeur. Sa petite soeur, ok. Maintenant, on a envoûté le cœur de ma grand-mère pour qu'elle ait mon amour. Qu'elle a eu mon amour. Tout ce que les gens lui disent, elle ne croit pas. Ils ont dit quoi, ta grand-mère? Les gens disent, est-ce que ta petite fille n'est pas sorcière? Qui a dit ça? Il y a d'autres de ses frères qui t'ont su, t'ont commencé à te soupçonner. Comment ils ont su? Comment? Ceux qui sont appelés, ceux qui voient là, ils sont là, Dieu ne croit pas. Elle n'a pas cru jusqu'à à ce qu'on vienne à Dabou. Le mari de ma tante qui était en France, elle est venue en Côte d'Ivoire pour chasser ma grand-mère. Il a chassé ma grand-mère. Oui, parce que quand il partait, Dieu, ma tante, là, il a pris le visage de ma grand-mère. Non, avant que. Maintenant, elle explique bien. Ça veut dire que toi, tu as pris le visage de ta grand-mère, de la maman de la défunte. Mm-hmm. C'est ça? Et puis, c'est son visage qu'ils ont vu. Maintenant, avant de mourir, elle a dit que ne cherchez pas quelqu'un, c'est ma maman qui m'a tué. Ah. Ça, quand ils sont venus, elle est venue encore du bout, elle a chassé ma grand-mère. Ma grand-mère est partie à Dabou. Dans sa maison à Dabou là-bas, il y a mis une serviette rouge. Là, partout où vont marcher, les bénédictions rentrent dans cette serviette. Là, chaque nuit. Ah, je vous ai dit qu'elle est dangereuse. Ça ne doit pas vous étonner. Moi, j'ai déjà détecté ça ici. Chaque nuit, il vient prendre la bénédiction pour aller mettre dans un canari. C'est le vieux jeu. Chaque nuit, il vient prendre la bénédiction pour aller mettre dans un canari. Maintenant, devant la porte, j'ai versé une poudre pour qu'elle soit paralysée, pour ne plus qu'elle va dans l'église. Maintenant, elle, quand ils ont su, elle, parce qu'elle avait un problème, elle m'a envoyé chez ma maman qui est assise là-bas. Elle dit que, ah, comme elle souffle, ma maman n'en a qu'à me prendre. Qu'elle m'a prié, c'est ça, j'ai commencé à attaquer sa maison. Quand même, elle prie, qu'elle voit l'attaque là. Il met les colères dans le cœur de son mari pour que son mari soit fâché contre elle. Puis il insulte. Il a mis des caméras dans la maison. Et puis on voûtait devant la porte du salon. Tu as tué combien de personnes? J'ai tué
200 personnes, plus 2 personnes dans ma famille, ça fait 202 personnes. Ok. Maintenant, tu détruis comment la vie des gens, comment? Par mes yeux, quand je te regarde, je dis, toi, tu vas mourir. Vous avez compris, non? Elle dit par les yeux. C'est ce qu'elle a fait tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'elle faisait tout à l'heure. Voilà. Et quand il te regarde, il te lance des maladies bizarres. Ah, quand tu regardes, tu lances des maladies bizarres. Mm-hmm. Maintenant, quand ça te prend dans l'hôpital jusqu'à tu meurs, puis elle fait renverser aussi des camions. Tu fais renverser des camions. Mm-hmm. Comment tu fais pour renverser des camions? Les fils, les pneus. Spirituellement, les pneus sont quittés. Et la voiture fait accident. Mm-hmm. C'est pas ça, il y a tué beaucoup de personnes. Tu n'as pas gâté Maria des gens. J'ai gâté l'école de mon. J'ai mis blocage dans la vie de mon oncle. Et puis j'ai gâté l'école de mon grand frère. Il a bloqué son BPC. Non, ma maman là. Où elle voit, là, on a, ma, par contre, celle qui m'a initié à aller chez là-bas pour ne pas que les clientes viennent. Maintenant, moi, j'ai volé. Elles vont quoi là-bas? Poisson. Maintenant, j'ai volé poisson et son argent pour aller. Mais ça, donc Canary là-bas, je n'aime pas qu'elle gagne l'argent aussi. Je n'aime pas que aussi ces poissons marchent. Et tu n'as pas les membres de ta famille, à part ton frère, tu as gâté qui? Tu as programmé qui? J'ai programmé tous mes tantes chaque année. Toutes tes tantes? Chaque année? Mm-hmm. Cette année, c'est qui? Cette année, c'était ma tante Grâce. C'était? C'est ma tante Grâce, c'est ma tante. Elle est vive où? Elle vit à l'université. Cocody. Elle est étudiante alors? Mm-hmm. Elle devait mourir quand? Elle devait mourir. Et en Pâques là. En avril là? Mm-hmm. Après demain là? Ok. Par quoi? Elle devait mourir par accident. Par un accident? Mm-hmm. Et après elle, c'est qui? Après, c'est ma tante Éléonore, elle est en France. Ta tante Éléonore, mm-hmm. Elle allait mourir par quoi? Elle allait mourir par problème de cœur. Problème de cœur. Mm-hmm. Qu'est-ce que te pousse à faire ça? Un esprit de tigre. La vie, elle est pas où? Vous pouvez la suivre un peu? Faut pas la laisser ça là-bas, hein. Faut lui dire ça. Tu as peur? C'est ta chose, va. Peut-être qu'elle va mettre ça sur toi. C'est la mise sur toi, je vais savoir ça. Non, non, on est ici avec beaucoup d'amour et douceur qu'on règle le problème. Si on veut régler ça avec la tension, les trucs, on n'aura pas l'aspect compassion pour aider une victime. Peut-être que j'exagère, mais je pense que c'est ça. Quand elle dit on m'a initié, ça doit nous désarmer. Ça veut dire que ce n'est pas elle. Elle a été poussée. Ils lui ont donné la sorcellerie. Donc, elle fait son travail. Mais c'est parti de quelque part. Donc, il faut l'écouter et puis donner cette occasion pour qu'elle sorte de la sorcellerie. On ne peut pas régler ça avec la violence. On doit avec beaucoup d'amour. Dieu, c'est l'amour. Quoi. Qu'est-ce que tu as fait encore d'autre? Maintenant, l'année prochaine, ma tante Eleonore allait mourir. L'année prochaine, ma tante Sabine allait mourir. Et l'autre année encore, ma tante Eliane avait mourir. Une dette, tu m'achètes là. Et vous les ai programmés. Et tu veux être délivré? Tu demandes de délivrer? Moi, je suis à la maison chez ma maman qui est là. Il a possédé, balai là. Là, il balait toutes les bénédictions, on pouvait sortir. Et vous avez pas dit elle est dangereuse? Faut expliquer. T'as dit le balai qui est dans la maison? Mm-hmm. Il y a pris une bandit convoyée là-bas procéder pour venir remettre. Donc, quand il balai, c'est la bénédiction qui chasse. Il a mis des caméras dans la maison. Il a mis un canari. Faut jeter le balai. Maintenant, ouais, elle fume poisson et elle plante un fétiche là-bas. Il y a quoi là-bas? C'est deux plumes. Je vous ai pas dit elle est dangereuse. Ah, je vais déjà annoncer ça. Ah, c'est comme ça. C'est deux plumes avec une corde rouge attachée pour mettre là-bas. N'est pas que poisson à même. C'est la première fois qu'on se voit, non? Donc toi tu es venu, tu voulais m'essayer un peu, c'est ça?
Maintenant, à côté, il y a un sauveur. En bas, il y a un canari. Où ça? À côté, où elle fume poisson, il y a un sauveur. En bas, au mât du saumon, il y a planté canari. Et puis, il y a un bras de l'homme dedans. Un bras de l'homme. Bras, elle a fait quoi là-bas? C'est un bras qui est là-bas. Ça porte la malédiction à la maison. Ah, le bras porte la malédiction à la maison. Mais le bras est quitté où? C'est le bras de la, soeur, la fille de la soeur de ma grand-mère. Tu as pris le bras? Mmh. Et ils m'ont donné, ils disent de venir mettre mon canari là. Là, la malédiction est sur la famille. Je vous avais déjà annoncé ça. Qu'elle est dangereuse. Hein? T'as dit toi-même, tu as fini sur ce délit. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Femme! Feu! Fire! La puissance de Dieu. The power of God. 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 Au nom de Jésus. In Jesus' name. De Nazareth. Nazareth. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Esprit. Spirit. De la sorcellerie. Of witchcraft. Esprit. Spirit. De la sorcellerie. Of witchcraft. Esprit. Spirit. De la sorcellerie. Of witchcraft. Tu vas quitter son corps. Come out. Tu quittes son corps. Leave her body. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. C'est un ordre. It's another. 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 Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Tu vas partir. You leave. Tu vas partir. You leave. Hey! Out! Fais! Fire! Allez, fais! Fire! Fais sur toi. Fire on you. Fais sur toi. Fire on you. Quitte son corps. Leave her body. 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 Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. 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 Out. Le feu sur toi. Fire on you. Le feu. Fire. Consume tes œuvres. Destroy your actions. Le feu. Fire. Consume tes œuvres. Destroy your actions. Le feu. Fire. Consume tes œuvres. Destroy your actions. Le feu. Fire. Consume tes œuvres. Consume your actions. Lâche-la. Release him. 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 Maintenant même. Lâche-la. Right now. Lâche-la. Release him. Hey! Out. Sors d'elle. Out of her. Tu vas partir. And you leave. Tu vas partir. Are you going to leave? Maintenant même. To leave maintenant. Right now. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Sors d'elle. Out of her. Sors. Out of her. Sors. Come out. Manifeste-toi et pars. Demonstrate and leave. Manifeste-toi demonstrate et pars. And leave. Manifeste-toi demonstrate et pars. And leave. Puissance de la sorcellerie. Power witchcraft. Puissance de la sorcellerie. Manifeste-toi et pars. Tu es vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Libère-la. Release him. Allez. Quitte son corps. Leave her body. 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 Maintenant même. Right now. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Lâche-la. Release him. Lâche-la. Voilà, sort. Voilà, sort. Lâche-la. Release him. Lâche-la. Release him. Lâche-la. Release it. Release it. Release it. Release it. Release it. Release it. Lâche-la. Release it. La puissance de Dieu. Détruis tes œuvres dans ce corps. Puissance de la sorcellerie. Dégage. Out. Allez. Out. Tu vas partir. You leave. Tu vas partir. You leave. Tu vas partir. You leave. Au nom de Jésus. In Jesus' name. 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 Lâche-la. Release it. Jésus. Jesus. Détruis ton pouvoir. Destroy your power. 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 Quitte sa poitrine. On the chest. Quitte sa poitrine. Leave her 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 chest. Au nom de Jésus. In Jesus' name.
quitte sa poitrine. Leave her chest. Maintenant, non. Right now. Voilà, maintenant. C'est un ordre. It's an order. Allez. Out. C'est un ordre. It's an order. C'est un ordre. It's an order. C'est un ordre. It's an order. C'est un ordre. Vous levez pour assister, il n'y a pas de problème. Je vois qu'il y a des personnes. Vous apprenez. Vous pouvez lever pour regarder, il n'y a pas de problème. C'est une école ici, c'est une formation. La puissance de Dieu. The power of God. Je vous rassure que le démon ne quittera pas son corps pour entrer chez vous. Soyez rassurés pour ça. Voilà. Un démon ne quittera pas ici pour entrer chez toi. Dès qu'il quitte, il part. Voilà, il ira loin. C'est-à-dire qu'on peut. Pas chez toi. Sors. Out. Lâche-la. Quitte sa poitrine. Leave her chest. 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 Lâche. Lâche. Release. Lâche. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Voilà, lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Puissant de la sorcellerie. Puissant de la sorcellerie. Puissant de la sorcellerie. Puissant de la sorcellerie. Sors! Out! Allez! Out! Allez! Lâche-la! Release it. Quitte son corps. Leave your body. 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 Quitte son corps. Leave. Au nom de Jésus. In Jesus name. Tu n'as pas dit quelque chose, toi. Hey, toi qui es derrière là-bas. You haven't said something. Tu prends le sperme des gens pour les tuer, c'est ça? Take people's semen. Tu prends le sperme pour les tuer. Hein? Take the semen. Hein? Kill them. Mais pourquoi tu ne dis pas? Why don't you say it? Hein? On t'appelle dans le vaudou, et toi tu prends le sperme, on te met là pour coucher les gens, et tu prends le sperme pour les tuer. People? C'est ça? Mais faut dire pour que tu sois délivré. Il faut renoncer, renonce au diable, ça dit, dis non, il faut le dévoiler. Dis non au diable, dis, il faut le dénoncer, dénonce-le. Dénonce. Allez, dis non à la pratique du diable. Pourquoi tu es réservé? Pourquoi tu caches? Alors, vous avez compris? Vous partez, non, maman, la petite l'est bien. Une petite comme ça, une petite choco. Je ne peux pas avoir ton numéro. Elle dit, je suis mou, non limite, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, mon réseau prend. Quand c'est comme ça, dis pas non. Non. Ce qui va te montrer, elle va lui dire, vaudou prend. Oh, ta petite chance pour avoir un peu d'argent, là, c'est gâté. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut, il faut dans la prière. Le monde est gâté, le monde est sous le contrôle du diable. Il est le prince de ce monde. Il utilise les enfants, il utilise nos jeunes filles pour agir dans la vie des gens, pour détruire. Le diable est en train de détruire la nation. Le diable est en train de détruire les nations, il est en train de détruire les vies. C'est ça qui est le discernement. Est la crainte de Dieu. Mettez-vous dans la prière. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Sors d'elle, au nom de Jésus. Sors d'elle. Lâche-la. On se tait, s'il vous plaît. Lâche-la. 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 Release. Lâche-la. Release. Vous voyez, petit plaisir. Ah non, je vais l'embrasser. C'est un petit plaisir. Plaisir va se transformer à la mort. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. On ne marche pas comme ça dans le monde. Il faut avoir le discernement. Il faut savoir avec qui tu parles. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut connaître. Sinon, tu es mal barré. Amen. Et ils savent ce qu'ils veulent. Et pour ça, un mystique peut mettre des centaines, des millions, prouver qu'il couche avec toi et qu'il prend de toi ce qu'il a envie de prendre. C'est tout. Ah non, il m'a donné l'argent, 500 000, il est gentil. Lui aussi est gentil. Bonjour seulement, il m'a donné 500 000. Maintenant, si on va à l'hôtel, c'est que c'est 2 millions. Oh, c'est piège. Que Dieu nous aide. Ayons le discernement. Alléluia. Ayons la crainte de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Ayons une vie de prière. Celui qui a une vie de prière déjoue toujours les pièges du diable.
C'est ça que la Bible dit, prier sans cesse. That's why the Bible says, ah oui, il faut prier. Avant de sortir de ta maison, il faut déprogrammer toutes les programmations du diable. Il faut que Dieu te donne le discernement de comprendre des choses. Pendant que les gens échangent avec toi, tu dois comprendre qu'est-ce qu'ils veulent en réalité. Amen. Et ça, c'est très important d'avoir le discernement. Que Dieu nous aide. Alléluia. La puissance de Dieu. 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 La fille n'a pas dit quelque chose, mais elle travaille avec l'esprit des eaux. Elle travaille avec l'esprit des eaux. Mami Water. Yeah, Mami Water. She's working with Mami Water. Lâche-la. Release. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Je brise ce contact. Entre elle et l'esprit des eaux. Je brise ce contact maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce contact est brisé maintenant. Elle ne te servira plus. Elle ne te servira plus. C'est fini là. Ton pouvoir prend fin. Cette vie ne te servira plus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Release. Les gens disent non, la sorcellerie n'existe pas. Et ce qu'ils font, c'est du n'importe quoi. Mais si la sorcellerie n'existe pas, mais enlevez ça dans la langue de Molière. Enlevez ça en français. Faut plus savoir exister en français. Enlevez alors. Retirez ça, le mot sorcellerie, de la langue française. Enlevez ça. Mais ça n'a pas son utilité. Arrêtez vos conneries là. Ce débat-là, j'attends les blancs. Il ne peut pas. Mais quand vous dites que la sorcellerie, mais c'est vous qui avez créé ça, la langue. Donc si elle n'existe pas, mais en quoi est-il ce mot-là? La sorcellerie dans la langue Molière. Annulez ça. Arrêtez vos conneries. Vous étiez les premiers à combattre la sorcellerie. Arrêtez vos histoires-là. La chasse aux sorciers, c'est vous qui avez pratiqué ça. Vous avez tué des milliers de sorciers en les brûlant au bûcher. Nous, nous les délivrons. C'est vrai que les agents de Satan ils ne supportent pas ce que je fais comme travail. Non. Non, ils ne supportent pas. Parce que nous, on vous ouvre les yeux. Nous vous ouvrons les yeux sur la pratique de la sorcellerie. Et nous vous donnons les éléments nécessaires pour être délivrés. Et Jésus-Christ seul peut vous délivrer de ça. Le diable ne peut pas chasser le diable. Je suis désolé. Satan ne peut pas combattre Satan. Je suis désolé. Les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Ils sont développés. Non, la sorcellerie n'existe pas. Mais enlever sorcellerie là dans la langue Molière et enlever ça. Dans ma langue, Bété, neige n'existe pas. Demandez au Bété. La neige. Est-ce que ce n'est pas dans nos réalités? Il neige pas en Afrique. Un vieux, tu lui dis neige. Il ne connaît pas neige. Pourquoi il va donner nom à neige? Il va se fatiguer pour créer nom en Bété. Pourquoi? Il n'a jamais vu. Et puis il a fabriqué un nom pour donner. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que ça existe, qu'ils ont créé ça. Arrêtez vos conneries. Les mots ont leur sens. Ah oui, ça a leur sens. Alors quand on parle de sorcellerie, ça veut dire quelqu'un qui lance un sort. Il peut te faire le maraboutat du fétichiste. Il peut sortir de ton corps pour te donner une maladie mystique, pour te détruire, détruire ton mariage, détruire ton foyer, détruire ton valet. Il est capable de tout. Il est capable de te nuire, manger ta vie, te bouffer. C'est cela que ce mal-là, si ce n'est pas combattu dans la famille, ici en Afrique, dans chaque famille, il sera difficile de connaître le développement. Amen. Vous avez bien écouté les aveux des sorciers tout à l'heure. Apparemment, c'est bête ce qu'ils disent. Il n'y a pas de raison, on veut détruire. J'ai gâté, j'ai tué. J'ai tué ma tante. J'ai tué, j'ai programmé. Le hasard n'existe pas, frère. C'est cela que quand vous priez, attaquez toute forme de programmation sur votre vie. Parce que vous voulez ou pas, il y a toujours une programmation. Toute question de programmation et de déprogrammation. C'est ça que Jésus dit, tout ce que vous liez sera lié, tout ce que vous déliez sera délié. Nous, on a ces deux pouvoirs.
Le jour où le diable rentre dans ta maison, ce qui fait que toi, tu lui as donné l'occasion de rentrer. Parce que Jésus-Christ nous a tout donné. Il dit ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le bord. Amen. C'est pour cela qu'ils ne sont rien face à la puissance de Dieu. Qu'elle a commencé, j'ai vu ce qu'elle attendait de faire. C'est pour cela qu'il demande aux gens, nous sommes en train de jeûner. Moi, j'ai fait un repas par jour. Depuis un moment, j'ai commencé à faire un repas par jour. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux maintenant. C'est important. Et que Dieu nous donne l'onction nécessaire. Et que Dieu nous mette dans une position d'élévation. Et que Dieu nous bénisse. C'est vraiment important. Quelqu'un l'a fait à nous, on doit savoir quel est son esprit. Quel est l'esprit qui l'anime. Amen. Les choses vous arrivent, vous ne savez pas d'où ça vient. Et ça vous surprend. Ça ne doit plus nous surprendre. Alléluia. Il faut que Dieu nous révèle les choses les plus cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Ah oui. Le monde est devenu méchant et mauvais. Les gens sont méchants. Quand vous attendez les gens parler, vous savez que nous sommes dans les derniers temps. Ils sont méchants. Ils sont prêts à insulter. Ils sont prêts à nuire. C'est ça l'esprit du mal qui règne sur la nation, qui règne dans le monde. Vous voyez comment les gens s'insultent. Vous voyez comment les gens sont toujours prêts à nuire. C'est ça l'esprit du mal. Que Dieu nous aide. Alors quand tu es avec quelqu'un, il faut savoir si la personne a changé ou pas. Parce que tu peux être avec une personne pendant un an et puis à un moment, elle peut changer. C'est possible. La personne peut changer de position. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Il faut que ça soit votre prière. Amen. Alléluia. Je dois savoir connaître la vie de mon conjoint et ma conjointe. Je dois savoir connaître mes collaborateurs, savoir ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils m'enigancent contre moi. Ce n'est pas une fausse prière. C'est ça, c'est important. Il dit, je vous envoie. Il dit, le diable est comme le serpent. Il dit, soyez, Jésus m'a dit, soyez prudent comme les serpents. Comme. La prudence, c'est important. Le monsieur vient dormir chez vous. Il dit, suffit pour vous détruire. Non, c'est mon cousin, c'est ma tante. Elle va donner à son sujet à ton enfant. À partir de l'enfant ou à partir de quelqu'un d'un servant, ils prennent le contrôle de ta maison. Ils ont toutes les informations de ta maison. Ils ont tout. Ils ont tout. Parce que c'est à partir de l'information qu'on détruit. La puissance de Dieu. Moi, ce combat-là, je ne lâche pas. Vous allez monter, descendre. Ne lâche pas ça. Je vous mate, vous les sorciers. Je suis là pour ça. Incitez-moi, je ne lâche pas. Je veux vous mater. Vous pensez que l'homme est trop sacré? Un être humain, il est sacré. Ayez peur des gens. Respectez. Si vous voulez faire la sorcellerie, allez faire vos sorcelleries et laissez-nous vivre nos vies. J'ai envie de manger. Non, je voulais manger. J'ai dit à la dame hier au village, elle dit voulait manger, donc elle a pris sa fille, elle a mangé. J'ai dit, mais comment tu as envie de manger? Et c'est ta fille, tu vas manger. Il y a cabri au village ici. Mon cabine n'est pas doux. N'est pas doux. Maman, cabine n'est pas doux. Maman, cabine n'est pas doux. C'est ta fille qui est doux. Hein? Je crois que les blancs les brûlaient. Mais c'est choquant ce qu'elle dit. Elle trouve que cabine n'est pas doux. Et la fille est. Oui, c'est. Ah, ta fille. L'ennemi ne quitte pas loin. Il est juste à côté. On l'a délivré tout à l'heure. Amen. Moi, je suis là pour ça. Mars, là, je ne joue pas ça. Je leur ai dit là au village là-bas, il dit, je suis rentré ici. Là. Toutes les grosses têtes de la sorcellerie vont tomber. Parce que j'ai fait une action avant d'entrer. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons un pouvoir. Ne jouez pas le pouvoir que Jésus vous a donné. Ce n'est pas une question de crasso. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable. Amen. Quel diable va vous effrayer? Au moment où David avait affaire à Goliath, il connaissait le nom d'Elohim. Le nom seulement suffisait pour affronter Goliath. Il y a peu de qui? Que Dieu vous donne l'onction pour tuer tous vos Goliaths. Dis Amen. Alléluia. Que Dieu vous donne l'onction nécessaire pour tuer vos Goliaths. Et d'ici quelques jours, que lorsque Goliath meurt, vous ne voyez pas ce que c'est.
et que Goliath meure. Que tous ceux qui en veulent à vos vies tombent au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils tombent dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Et qu'ils avouent qu'ils ont échoué. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Que Dieu vous donne la victoire sur l'échec. Sur la mort. Sur le célibat. Sur les chairs. Dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans les camps. Le feu. La mort dans les camps. Qui vous lâche. Et qui vous libère. Dans le nom de Jésus. La puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche son arme. Release. Lâche son arme. Release. Tu la libères. Release. Maintenant. Right now. Maintenant. Vous voyez comment la sorcellerie se manifeste et la petite, elle prend le visage de sa grand-mère pour aller opérer. C'est dangereux. La puissance de Dieu. 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 The power of God. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. Power of God. Le feu. L'esprit de Dieu. Consulte les œuvres. Destroy your actions. La puissance de Dieu. The power of God. Consulte les œuvres. Destroy your actions. La puissance de Dieu. The power of God. Consulte tes œuvres dans ces corps. In this body. La puissance de Dieu. The power of God. Consulte tes œuvres dans ces corps. In this body. La puissance de Jésus. The power of Jesus. Tu détruis ton pouvoir. Destroys your power. Tu disarmes. And disarm. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. La puissance de Jésus. The power of Jesus. Comment s'appelle? Emmanuel. Emmanuel, lève-toi. D'accord. D'accord. Get up. Get up. Get up. Get up. Ça va? Ça va? Are you okay? Are you okay? Ça va? Comment tu te sens? How do you feel? Hein? Hein? J'avais l'impression que tu parlais avec la sirène. Mami Wata. Mami Wata. Hein? Elle te disait quoi? What was she saying? Mm-hmm. Elle ne va pas te laisser. Pourquoi? Parce que moi, je suis à elle. Tu es à elle, non? Maintenant c'est fini au nom de Jésus. It's over now. Jesus, tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Elle est délivrée. She's delivered. Oui, maintenant il faut qu'elle fasse une semaine. Now, à partir de demain lundi, elle doit faire une semaine de jeûne. Pour qu'on la prépare déjà par rapport aux attaques, parce qu'elle est un élément très important pour le royaume des ténèbres. Voilà, donc il faut qu'on la prépare d'ici une semaine. Demain déjà, commence un couple son jeûne à 18h jusqu'à dimanche. On va la libérer lundi prochain. Sois béni. C'est fini. Je suis free in Jesus. Qui veut parler parmi vous? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? What do you want to say? Hein? Quel esprit? Hein? La sorcellerie ou le vol? Qui veut parler parmi vous? Would like to talk, tu veux parler quoi? Quoi? Tu veux parler de quoi? What do you want to talk about? Viens ici. Le reste, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Tu vas dire quoi? Hein?
grand frère qui m'a envoyé dans les camps. Et il m'a dit, il m'a envoyé dans les camps, il m'a donné les manger, il m'a donné le riz. Qui est venu à lui? Ok, mon ami. Pourquoi vous l'avez envoyé? Why did you bring him here? Qui? The man of God said that he is a sorcerer. Oui, tu es sorcier, lui, vas-y. Are you a sorcerer? Il m'a donné de manger, les mains sauce grain. Et après ça, il m'a dit d'aller tuer les gens. Monsieur, parle fort. Faut parler. Et après ça, il m'a dit d'aller tuer les gens. C'est là qu'il s'est allé tuer. Il m'a dit d'aller tuer quelqu'un pour l'envoyer. Il s'est allé tuer son poulet pour l'envoyer. Avant de partir, il me s'est transformé en serpent. Before going, I changed into a snake. Arrivé là-bas, il s'est rentré dans la maison. I entered the house. And I cried his name. Chachueki. Who did he kill? Yeti. Tu es sorcier. Qui t'a donné? C'est mon grand-père. Ton grand-père, quel grand-père? My grandfather. Quel village? Quel village? Et comment il t'a donné? How did he initiate you? Il m'a donné. Il allait avec moi dans les camps. Dans les camps avant. Il m'a donné de manger. De venir manger. Il t'a donné quoi que tu as mangé? Il m'a donné du pain. Pain de poulet. Chicken meat. Rice. Après ça, il m'a dit d'aller chez quelqu'un pour envoyer. And after that, he told me to go and get some more. Il s'est allé. Vous venez d'où, Abidjan? Vous êtes venu ici pourquoi? Why did you come here? Vous les délivrez. To deliver him. Il faut parler, monsieur. Talk. Je suis allé. Si vous êtes dans la maison. Je suis transformé en bonne part. Je ne sais pas. Je suis allé. Si vous êtes dans la maison. Je suis rentré dans la maison. When I entered the house, je suis transformé en homme. Quelqu'un. Faut parler comme un homme. J'ai fait ce de tout. Tiabuto. Oui. Tu as tué combien? How many people? J'ai tué 25. 25. 25 personnes. Oui. Tu fais comment pour tuer? 27 persons. How do you manage? Je me transporte. On ne sait pas. Ah, c'est ça. Hein? Oui. Et puis tu fais quoi? Il est tiré tout. Et tu rentres dans la maison pour tirer. Dans la maison. Tu as gâté la vie de qui? Gâté la vie de mon père. Il est où? Ouais. Et la vie de qui aussi? Et la vie de mon petit frère. Ils sont où? Combien de personnes? How many people? Deux personnes. Two. Comment tu fais? How do you manage? Tu as gâté quoi et quoi dans leur vie? What did you destroy in their life? Son âme. Vous êtes venu spécialement pour sa délivrance. So he came here especially for his deliverance. Hein? Je vous demande. Oui. Vous êtes venu spécialement. Oui, nous sommes venus spécialement pour sa délivrance avec ce sorcier. Et comment comment vous avez su qu'il était sorcier? How did you know that he was a sorcerer? Bon, c'est un homme de Dieu qui a vu la révélation. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la révélation, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dit qu'il avait déjà envoyé des gens chez vous ici. Non, non, non. Quand il a vu qu'il est sorcier, il a fait quoi? Il lui a posé la question. Et il a commencé à ouvrir. Il ne peut pas délivrer, c'est ça? Oui, mais comment lui il voit la révélation, il délivre. Il avait, bon, comme il nous a dit qu'il a envoyé des gens ici, que donc on va venir vers vous. Bon, c'est pas mauvais. Lui il voit, on délivre.
Ouais, c'est la spécialité, c'est ça. Chacun va dans son âme. Lui voit son main et ne peut pas délivrer. C'est bon, il est quand même humble. Yes, really humble. Donc il a dit de venir. So he told you to come here. Et tu es content d'être ici? Are you happy to be here? En tant qu'un sorcier. Pourquoi? Quelle est ta joie? Tu es content comment? Toi-même en dette, tu es un catcheur ou bien? Là, comment tu t'arrêtes? Là-bas, tu les lutteurs ou bien les sorciers? Tu es content d'être ici, pourquoi? Are you happy to be here? Hein? Tu n'es pas là à l'école? Non. Ah, mais pourquoi? So he didn't go to school. Oui, il a les problèmes de français. Hein. Et tu tues les gens. Tu te transformes en serpent. Et tu veux changer. Mais quand une main vient là, c'est doux, non? Ah, donc, il faut rester là-bas. Non, il faut t'arrêter comme ça. Hein? Toi-même, on est un cachet. Il s'arrête comme un cachet. Tu veux être délivré. Tu connais Jésus. Oui. You know Jesus? Jésus c'est qui? Who is Jesus? Tu le connais pas? You don't know him. Lève ta main. Raise up your hand. D'ailleurs, toi-même, tu es très possédé. Jésus qu'on connaît là, toi, tu ne le connais pas. Il est très possédé de petit. He's really possessed. Il dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Tu fais corps nous bien. Tu mets ta main sur ces cornes de diable ou bien. Lève tes deux mains comme ça. Hein? Mais il fait qu'on ait cornes. Ferme tes yeux. Faut pas avoir peur. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci. Au nom de Jésus, que je prie. Amen. Amen. Out, 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 fire, come, out, fire, fire, come on, fire, 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 out, sorry, out, la puissance de Dieu détruit ton pouvoir, Jesus destroys the power, la puissance de Dieu détruit ton pouvoir, God destroys the power, fire in you, fire, allez feu, fire, allez feu, fire, feu, fire, puissance de la sorcellerie, fire, power of witchcraft, allez fire. Allez feu, allez feu, allez feu, fire, feu, fire, feu, le feu, fire, le feu, fire, le feu, fire, le feu, fire, allez feu, fire, allez feu, fire, feu, fire, fire, feu, fire, feu, fire, feu, fire, le 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 feu. Le feu, fire, feu, fire, allez, out, allez, allez. Elle a vu qu'elle est en danger. She noticed that she is in danger. Elle dit quoi? Oui, on ne sait jamais. Elle a raison. She's right to say that. On ne sait jamais où le feu est plus, où me brûler. Elle allait donner son portable, là. Elle dit, il faut sauver le portable, parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez me retrouver dans le même temps. Amen. Amen. Elle avait le portable, elle risque de tomber. On ne sait jamais où le portable va partir. Garde mon portable. Keep my mobile phone. Parce que la peinture dit, tu me fais maintenant, là, c'est grave. La vieille, elle a vu des dents. Elle a sauvé le portable. Je suis sûr. Maintenant, je vais affronter le danger. Feu! Fire! Allez! Out! Vous êtes diable. Elle regarde son collègue. She's looking at Bobby. Elle ne sait jamais. Saying that we never know. Je lui ai demandé. Pourquoi t'as envoyé ton téléphone là-bas? Why did you bring the mobile? Yeah, bah oui, bah oui. Blah, 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 blah
Ah, c'est pour ton monnaie. Her purse. Où elle arrive tout à l'heure, faut dire ça vient. Le feu, fire. Si votre maman est sorcière, elle vient ici, elle attrape. If your mom is a witch, she comes here, touch her. Le feu, fire. Lâche. Release. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Lâche-le. Release him. Tu vas partir. And you leave. Le feu sur toi. Fire on you. Maintenant, right now, le feu, fire, consume tes œuvres, your actions, dans ce corps, in this body, la puissance de Dieu, écrase ton pouvoir, destroys your dans power, ce corps, in this la body, puissance de Dieu, the power of God, la puissance de Dieu, the power, feu, fire, hey, fire, la puissance de Dieu, the power of God, détruit ton pouvoir, destroys your power, dans ce corps, in this body, le pouvoir, the power, de la sorcellerie, est vaincu, is overcome, au nom de Jésus, in Jesus' name. Au nom de Jésus, in Jesus' name, tu le libères. You release him. 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 Tu le libères. You set him free. Tu es free. You're free in Jesus' name. Comment s'appelle? Comment s'appelle? His name. Alphonse. 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 Get up. Alphonse, tu te lèves. Lève-toi. Get up. Lève-toi. Get up. Ça va? Are you okay? Viens. Come here. Ça va? Qu'est-ce que tu ressens? What do you feel? Léger. Ok, tu es délivré. You're delivered. Vous pouvez recommencer la sorcellerie. Viens, je t'en prie. Viens. Is it you? Yeah, you. Tu vas tout parler maintenant? Are you going to talk? Je vais aller voir Albert. Je vais voir Albert. Oui. Ok, écoute. We're listening to you. Le sperme des hommes. I used to take people's semen. Vous donnez au vautour. To give it to Vodima. J'ai compris. Moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Je lui ai dit. Ça va? Bonne arrivée. Lorsque je couchais avec les hommes, je prends leur sperme pour aller donner au vautour. Mais comment tu t'arranges pour aller donner au vautour? Je me rends chez lui. Comment tu couches avec les gens puis tu prends leur sperme pour aller donner à... Je prends ça mystiquement. Voilà, maintenant il faut expliquer. Lorsque on finit de faire l'amour, le tout ce qu'il a pris, il a utilisé. C'est ça que je prends mystiquement. C'est nettoyé là. Oui. Je prends ça mystiquement pour aller donner. Vous avez écouté, vous avez compris. I take it mystically. Toi, tu prends ça. You take it. Oui. Et puis tu vas donner. You go to give it. C'est pourquoi. What for? Tu as fait ça à beaucoup de gens. You do it. Oui, à 6 personnes. Arrête tes conneries. C'est beaucoup de gens qui ont 6 personnes. Comment tu t'arranges pour attirer les gens vers toi? Lorsque je regarde la personne, and I look at the person, et puis je dis, and I toi, say, je te veux. En même temps, I want you. Même si ça va durer, il va tomber dans le piège. Oui. Hein? Parce que lorsque le monsieur faisait les incantations sur les médicaments qu'il a pris pour laver mon visage, il dit partout je vais rentrer, je vais être aimé. Son chargeur. Il paraît t'a parlé sur les œufs, devant la mer. Oui. M'a donné des feux. Mm-hmm. Il est allé le voir par rapport à mes études. Non, ça on a compris. Maintenant, on est dans le truc des sorcelleries. Les feux qu'il m'a donné, il a dit de parler là-dessus. Tout ce que je veux de dire là-dessus, je vais jeter ça dans la lagune. Maintenant, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé là-bas. Quand tu regardes les gens, tu les attires, c'est ça?
Oui. Is it? Comment tu fais? How do you manage? Je regarde la personne. I look at the person. Depuis, en pensée. Je dis à la, je me dis. Ah, d'accord. Donc quand tu regardes la personne, so tu viens jeter des pensées. Oui. Des pensées. Your foot. Et le gars il regarde, du coup j'arrête. Et puis là la petite fille est belle. Non, ça va, qu'est-ce qui se passe? Je parle à ton numéro. Oh, il est déjà pris. Comment ça se passe? Lorsque la personne m'arrête, lorsque je regarde la personne, le petit, c'est cette personne-là que je veux. Mais comment la personne peut t'arrêter un coup? Je regarde la personne d'abord. Ah, tu regardes pendant qu'elle vient. Et puis je dépasse la personne. La personne va m'arrêter. And the person is going to stop after. Comme ça, tu marches vite comme si tu sais rien. Oh, le gars, il est déjà envoûté. Il t'arrête pour ça. Oui. And he stops. Et puis, il dit quoi? What does he say? La personne prend mon numéro. Ah, très bien. Je vous ai dit où? Je vous ai dit portable là. Tout le monde a portable. Je vous ai dit. Donc tu prends le numéro. Qu'est-ce qui se passe? Souvent la personne m'appelle. Souvent aussi on pose par texto. Très bien. Et puis je dis à la personne que je ne veux pas. Juste pour. Vous dites que tu es difficile, tu es dur. Non, la personne insiste. J'accepte. Toi, tu ne manges pas le coup, hein, bizarre. Hein? So tu n'envoies pas le coup genre, tu allais manger goûter, pizza. Non. Toi, c'est le champ d'hôtel qui t'intéresse. Hein? Oui. Ah. Tu allais fatigué. Pour aller dîner, alors le coup coca, hein, et poisson, hein. Allô, quoi, œufs. No. Alors, c'est quel hôtel? Donne-moi le nom de ton hôtel. The toi, tu ne passes pas à l'Ocodrome. Hein? Non. Toi, c'est chambre d'hôtel qui t'intéresse. So où est ta mère? Qu'est-ce que tu as fait, Ciel? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Bienvenue, madame. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai donné une maladie. Laquelle? C'est dans son ventre. Il a stomach. Explique. Maladie, elle lui a donné. Ils vont l'opérer, plusieurs vont l'opérer. Maintenant, c'est dans l'opération, elle va rester. Vous avez un mal dans le ventre? Moi, j'avais un mal dans le ventre. Ça me traverse comme ça. Bon, avec les prières, ça vous ça. Prayers, hier même, yesterday, l'homme de Dieu a prié pour moi. Non, je t'ai posé une question. Oui. Tu as le mal. Oui. Très bien. Oui. C'est ce que je voulais. Les petits commentaires. Oui. C'est bon. Comment tu t'es arrangé à mettre le mal? How did you manage to give her that sickness? Je l'ai causé avec elle. Elle allait voir le monsieur, ce même monsieur, pour qu'il la soigne. Tu es parti là aussi? C'est parti. D'ailleurs, il est où j'ai? Mais or, réellement, elle couche avec toi. C'est pas une question de monsieur. Tu vois, j'ai l'impression que tes aveux, là, tu es réticente dans ce que tu dis. Or, quand vous êtes ici, je sais tout ce que vous avez fait. Je donne la possibilité de faire des aveux parler. Ça passe plus. Question. Aïe. Tu me demandes question. Aïe. Et tu as mis maladie dans le ventre de ma maman. Ah, donc tu me poses la question. Tu me demandes. You ask me the question. J'ai dit, tu es en train de commettre une erreur en disant que c'est le gars de Vaudou. J'ai dit, c'est toi qui couches avec ta maman. Tu as couché avec elle, c'est comme ça, elle a eu le mal.
your mom so that she can have that. C'est ce que je suis en train de dire. It is what I'm saying. C'est ce que j'ai fait. Hein? Tu as fait ça comment? Pourquoi tu dis pas? Why don't you say it? Ouais, franchement, il faut être sincère, c'est le mot quoi. Sois sincère. Be sincere. Il a couché avec ma maman pour lui donner cette maladie. Comment tu as fait? I had sex with my mom to give her that sickness. Je couche avec elle. Comment? Je transforme mon sexe et puis je couche change avec elle. To have sex with her. Tu as beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tenez-vous debout. Levez les mains. Mets la main sur ta tête. Il faut commencer à déprogrammer. Vous avez vu, malgré la fatigue, je suis venu. Hein? Parce que je vous aime bien. Amen. Malgré la fatigue, je suis arrivé à 16h17h. J'ai tout laissé pour être là. J'avais crédit de fatigue, crédit de sommeil. Crédit. Vos vies sont plus importantes que tout. Amen. Comme je disais demain, je vais commencer à recevoir demain. Je serai là encore mardi. J'aurai la pause mercredi parce que jeudi on part. On sera jeudi à Daoukro. Donc je serai là pour organiser Daoukro. Levez la main, on va prier. Tu vas prier. You pray que la sorcellerie depuis ton village, depuis ta famille soit brisée. Tous ceux qui ont fait la sorcellerie contre toi, dans ta famille, depuis ton village, s'ils n'ont pas encore parlé, qu'ils soient démasqués. Que Dieu les pousse à embrouiller et que Dieu les terrasse. Prie, 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 prie. Oh, la bouche pas. Lise tous les sorciers de ta famille. Convoque-le devant le tribunal de Dieu. Combat le soin. Je combat vos sorciers devant le tribunal de Dieu, devant le tribunal de l'Éternel, devant le tribunal de l'Éternel. Tous ceux qui en veulent à votre vie, tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui veulent des vies, je les combat devant le tribunal de l'Éternel. Qu'il soit terrassé et qu'il avoue qu'il a échoué. Dans le nom de Jésus-Christ, que ton appartement soit libéré, que ton mariage soit libéré, que ton succès soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, que ta prospérité soit libérée. Réfléchis-le. Calme. Je détruis les œufs. Calme. Reçois ton miracle. Reçois-le. Maintenant. Oh là 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 là. La puissance de Dieu, 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 Le chômage te libère
dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle là où tu es. Reçois ton miracle. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Depuis ta voiture, depuis ton salon, depuis le lieu de ton travail, là où tu es couché, reçois ton miracle. Depuis ton salon, reçois ton miracle. Et à toi je m'adresse. À toi. C'est toi, toi, toi. Reçois. Merci. Recevez le miracle de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Recevez le miracle de Dieu.